Aucun sauvetage n'est possible pour Dadis. Il cherche les arbres aux alentours de la rive pour s'accrocher, mais le câble qui doit accrocher le navire est très lourd. Dadis s'enfonce de façon doucereuse, volontaire, vers le crucifix, vers le suicide. Dadis mourra tout seul et avec ceux qui le soutiennent. Il vient de crucifier son ministre de la Santé. Il vient de lâcher Piri. Il vient de renier, comment il s'appelle, Cécé Raphaël. Je vous ai dit que le port du navire, c'est un seul personnage. Plus d'un en chavire. Tant pis pour ceux qui l'ont soutenu. Et ça y est.